Crouch and hold. Engage. Bind up. Bind up. Bind up. He dies. Bruno, he dies. Red, back. Engage. What was knocked on the ball? Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver ici en direct de Barcelone pour le coup d'envoi d'un week-end de rugby d'exception sur France Télévisions. Avant Biarritz-Toulouse, demain à Saint-Sébastien, ce match entre Toulon et Perpignan va nous lancer de manière idéale ce week-end parce que pour la première fois, un match de rugby va avoir lieu cet après-midi en Catalogne. Il fait beau, il y a du soleil, il y a des couleurs, il y a tous les ingrédients de phase finale. Raphaël Ibanez, il y a tout surtout pour se régaler. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, effectivement, c'est un match historique, tout simplement. Le club de Perpignan en rêvait depuis des années. Exporter son rugby en Catalogne du Sud est un symbole très fort pour cette équipe. Et puis bien sûr, pour le Racing Club Toulonnais, c'est une première. Ils vont honorer aussi leur première qualification en quart de finale de Coupe d'Europe, ce qui marque quand même leur retour parmi les grands sur la scène européenne. Et la mobilisation a été générale pour que ce match ait lieu aujourd'hui dans ce stade olympique de Montjuïc. A commencer par les meilleurs ambassadeurs de Catalogne. Je veux parler des joueurs du FC Barcelone, Lionel Messi, David Villa. Ils ont tous participé à la promotion de cet événement. On peut noter leur belle technique, ballon de rugby au pied. Très belle attitude techniquement. Enfin, j'aurais quand même voulu voir Lionel Messi au cœur de la mêlée sur une autre fois. Ens uneix un sentiment. Vine el 9 d'avril à la festa del rugby català. Voilà, vous y êtes à la fête du rugby catalan cet après-midi, ici dans ce magnifique stade. Ils ont été nombreux à faire le déplacement. Plus de 130 bus ont quitté Perpignan pour rallier ici Barcelone, où il y a 50 000 spectateurs, 55 000, même 40 000 Catalans et 10 000 Toulonnais qui vont essayer de se faire entendre cet après-midi. Oui, ben, ils seront présents eux aussi. C'est vrai que c'est une grande fête du rugby. On peut s'attendre aussi à une entame de match vraiment éclatante, incroyable, avec des contacts qui promettent d'être explosifs. C'est un duel fratricide entre deux clubs français qui jouent leur avenir en Coupe d'Europe. C'est le premier match à élimination directe de la saison. Raphaël, ça aussi, c'est un paramètre qu'il va falloir prendre en compte cet après-midi. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde est concentré vers un seul objectif. La victoire, il s'agit pour ces deux équipes d'être présents dans les grands rendez-vous. Il y a des joueurs d'expérience au sein des deux équipes, des joueurs qui ont connu de grands rendez-vous, et ça l'était aujourd'hui. Et les joueurs toulonnais qui vont entrer dans cette enceinte accueillie par 55 000 spectateurs, 40 000 Catalans. Écoutez l'accueil réservé aux Toulonnais cet après-midi ici à Montjuïc. C'est chaud, c'est chaud. Menés par leur capitaine Joe Van Niekerk, les Toulonnais qui entrent sur la pelouse, et on surveille avec attention la sortie des Toulonnais parce qu'il y a un joueur qui va disputer un match un petit peu à part cet après-midi, Raphaël. C'est Johnny Wilkinson. On va plus faire sa carrière à Johnny Wilkinson, champion du monde avec les Anglais, mais il va disputer pour la première fois un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est vrai qu'on ne le présente plus, c'est un grand champion. Mais en même temps, aujourd'hui, il est quand même, on va dire, dans la peau d'un novice, puisque c'est son premier match en phase finale de Coupe d'Europe. Il a presque tout gagné, un joueur exceptionnel. Mais c'est avec son premier match de quart de finale à la Coupe d'Europe, c'est aussi peut-être la participation à la Coupe du Monde qui se joue pour lui. Il aurait pu jouer le quart de finale en 2005 face au Stade français. Malheureusement, à cette occasion, il était blessé en tribune pour suivre la lourde défaite de son club. Et l'entrée des Catalans maintenant, emmenée par leur capitaine Nicolas Mas, qui lui aussi en a rêvé 10 ans pour organiser une affiche ici en Catalogne. C'est fait, c'est un moment à part pour le capitaine catalan cet après-midi. Nicolas Mas, le capitaine catalan, qui d'habitude est un peu réservé, mais qui cette semaine s'est exprimé largement sur la charge émotionnelle que représente cette rencontre pour lui. Il est fier de ses origines, il est fier de ses racines. Attention toutefois de ne pas laisser trop d'influx nerveux dans cet avant-match, parce que le pack catalan aura besoin de toute son énergie. La catalanité si chère au président Paul Bos est bien représentée cet après-midi. 8 joueurs de l'USAP sont catalans pure souche dans le 15 de départ, à commencer par cet homme, Guillaume Guirado, que l'on a vu épisodiquement pendant le tournoi Destination, mais c'est un titulaire indiscutable du côté de Perpignan. Et ici en gros plan, le capitaine Joe Van Niekerk, sud-africain, qui a dû
avoir un discours musclé, hein, on le sait, c'est dans son tempérament, s'adresser à ses joueurs de manière très franche avant les matchs. Oui, c'est vrai, il y a quelques jours en conférence de presse, il a préféré garder son calme, garder toute son énergie pour donner quelques bons conseils à ses coéquipiers juste avant le coup d'envoi. L'arbitre de ce match est un Irlandais qui parle parfaitement le français. Il s'agit d'Alain Roland, vous le connaissez bien, assisté de Fitzgibbon et Phillips cet après-midi, l'arbitre vidéo. Monsieur Redmond, on va prendre vite la température au bord du terrain en rejoignant Philippe Lafont. Hola, que tal? Ouais, j'ai pas la réponse en catalan, Mathieu. 31 degrés au ras du sol, il y a du soleil aujourd'hui sur la Catalogne. Et le coup d'envoi de Johnny Wilkinson, Perpignan avait choisi le terrain et commencé à gauche. Les Perpignanais ont récupéré le coup d'envoi de Johnny Wilkinson. Premier ballon pour Cazenave. Avec Laharrag dans l'axe qui dégage le camp catalan pour trouver une très bonne touche sur la ligne des 40 dans le camp de Toulon. Avec Johnny Wilkinson qui préfère ne pas prendre de risques et ne pas rejouer rapidement. Cette balle, belle, très belle prise de balle de Damien Chouli. Ça, c'est très bon pour les Catalans pour bien démarrer la rencontre. Le premier lancé intéressant pour Sébastien Bruno qui a joué pas mal de matchs de Coupe d'Europe, notamment avec Sale. Il a remporté le challenge en 2005. Il dispute un premier quart de finale lui aussi. Une bonne prise de balle en milieu d'alignement des Toulonnais. Avec George Smith en possession du ballon, il est refoulé là par Henri Tulagi et Guillaume Villaseca. Pierre Mignoni, c'est peut-être son dernier match de Coupe d'Europe cet après-midi, on le sait. Il arrêtera sa carrière à la fin de la saison. Avantage laissé par Monsieur Roland, mais il y a un avant. Vous l'avez bien vu, Raphaël. Oui, signalé aussi par l'arbitre assistant, qui était bien placé également. La réception, Giovanni Kerr qui s'élève quand même au-dessus de tout le monde, qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. Et ensuite repris par un avant toulonnais, donc l'arbitre fort justement signale une mêlée en faveur des Catalans. Alors, souvent c'est un bon baromètre. Ah oui, la première mêlée du match. Ça va être un duel intéressant à suivre. C'est le genre de phase de jeu que les premières lignes aiment bien mémoriser, intégrer avant le match, dans la préparation mentale, en se disant voilà le premier rendez-vous, cette grosse première mêlée. Avec un pack catalan légèrement plus lourd que le pack toulonnais. Mêlée assez stable. Ballon libéré maintenant au large avec David Marty qui a purgé sa suspension. Il est bien là pour ce quart de finale. Il perd attention, ce ballon relâché. Johnny Wilkinson nous avait tenté une petite chistera. Ouais, le ballon s'était un peu égaré quand même au sein de ses coéquipiers. Premier lancement de jeu où on joue dans le dos du premier centre. David Marty qui préfère conserver le ballon malheureusement sur le placage incisif. Le ballon a été rendu au Toulonnais. Et deuxième mêlée, introduction cette fois-ci Pierre Mignoni pour Toulon. Le rugby club toulonnais qui imaginait un peu pour sa première participation en Coupe d'Europe dispute déjà un quart de finale et est sorti d'une poule terrible. Incroyable. Parce qu'au moment du tirage au sort, peu auraient parié sur Toulon. Imaginez, ils ont éliminé les Ospreys, le Munster et les London Irish. Ils ont accompli un parcours remarquable, c'est vrai, pour se donner le droit de vivre une telle rencontre. Et il y a de l'expérience dans cette équipe. Vous avez vu George Smith, Jovan Nicker, Fernandez Yobé. Elle a de l'allure cette troisième ligne toulonnaise. Et le point serré de Jovan Nicker qui est une première pénalité à l'avantage des Toulonnais. Ouais, attention, c'est sifflé. On s'arrête de pousser. Plutôt à l'avantage des Toulonnais. Hein, ces deux précédentes mêlées avec un vrai effort de la première ligne toulonnaise qui a été bien secondée par les joueurs du pack. Voilà, sur l'impact, Monsieur Roland estime que c'est Jérôme Schuster qui est allé au sol le premier. Et évidemment, bonne indication du capitaine Van Nicker, histoire de marquer le territoire. On va tenter la pénalité. Alors, on vous l'a dit, on ne va plus vous le présenter, Johnny Wilkinson, vous dire simplement que c'est le recordman mondial de points marqués. Voilà, ça situe le personnage. Il est loin, quasiment 52 mètres en coin, cette pénalité. Pour Johnny Bigod, l'ange blond au pied d'or de Toulon, qui peut ouvrir le score cet après-midi au Stade Olympique de Montjuïc. C'est parti pour Johnny Wilkinson. Il y a la direction, il y a la distance. Et le rugby club toulonnais ouvre le score ici 3-0 après 4 minutes de jeu. Ça, c'était du Wilkinson.
Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de précision dans cette frappe. Longue distance, beaucoup d'application. Oui, Nicolas Mas, il le sait, il ne faudra pas commettre beaucoup trop de fautes cet après-midi, sinon la sanction, elle va tomber. Car en face, c'est monsieur Johnny Wilkinson. Renvoi effectué par la Harag. Ballon récupéré par les Toulonnais, en l'occurrence George Smith qui passe au sol. Lui aussi, c'est un bon, hein. Il traîne toujours par là pour récupérer quelques ballons. Il a bien fait là sur ce coup. Johnny Wilkinson, jeu au pied d'occupation, Tulagi, il a les mains moites. Il a commis un en avant et vous le disiez dans l'avant-match. Raphaël, attention à ne pas être aussi submergé par l'événement et la pression qui peut entourer ce match pour les Catalans. Bien sûr, on peut comprendre l'émotion que représente ce match, l'émotion que représente l'idée de jouer à Montjuïc, face à tout ce public catalan. Mais il faut rester concentré sur ce match. Ok, on y va. Avec un seul objectif pour les joueurs, notamment cette première ligne, comment dominer son adversaire. Mêlée intéressante, milieu du terrain. Mêlée à nouveau stable. Ballon éjecté par les Toulonnais dans le fermé avec Wilkinson qui va trouver Geoffroy Messina. Les Toulonnais dans les 22 mètres de Perpignan. Mignoni, énorme choc et ballon récupéré. Elle est bonne à jouer. Elle est bonne à jouer pour les Catalans avec Chouli qui est dans la ligne. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure option ce jeu au pied. Ballon récupéré en tout cas par les Toulonnais. Et il y a du rythme dans le début de match, oh là là, le groupe tenté. Oui, c'est à 60 mètres. Et ballon récupéré par Novo Balavu. Un en avant. Un avant de passe. Logique, une succession de turnover, de ballons rendus à l'adversaire. On a senti quand même les Catalans toujours prêts à exploiter les moindres ballons rendus. Là, ce petit coup de pied n'était pas judicieux de la Harag. Celui-là, alors, était encore peut-être plus osé. Hein. 55 mètres. La tentative de drop. Johnny Wilkinson qui est venu s'entraîner hier. Il y avait pas mal de vent au moment de l'entraînement des Toulonnais hier. Cet après-midi, c'est calme à Montjuïc. 89 entre Tulagi et Cazenave. Et le ballon qui sort directement en touche. Le public n'est pas content, mais Fred Godard va nous trouver le ralenti pour constater que le ballon a rebondi sur la ligne. Et on rappelle la règle, Raphaël. C'est une touche. Il s'en veut, hein, Florian Cazenave. C'est vrai que l'occupation du terrain était plutôt légitime. Il y avait de l'espace dans le dos du défenseur toulonnais. Et le ballon était directement en touche. Florian Cazenave, jeune joueur de 21 ans, enfant d'Argelès-Gazost, international moins de 20. Il s'impose à Perpignan. Lancé Sébastien Bruno pour les Toulonnais. La deuxième touche gagnée par les Toulonnais en début d'alignement. Et attelage Scofield Chesney qui fait une belle moisson en ce début de match. Allez, planté à la réception pour les Catalans. Cazenave avec la Harag. Corica l'intercalé dans la ligne qui croise maintenant avec David Marty. David Marty va revenir auprès des gros là, peut-être chercher du soutien. Point de fixation créé. On est dans le camp de l'USAP. Un seul objectif pour l'USAP actuellement, franchir ce premier rideau toulonnais. Alors ça n'a pas mal fonctionné avec David Marty. On va peut-être solliciter les avants. Poussez-vous. Ou alors le jeu au pied si le ballon est. Oui, voilà. Et la Harag, coup de pied décroisé. Il est bien dosé ce coup de pied. Oh oui, oh, il est parfait. C'est magnifique, touche à 5 mètres de la ligne dans le but toulonnaise trouvé par Nicolas Larag. Voilà, Larag qui prend le relais de son deux une mêlée, qui avait échoué dans cette tentative d'occupation du terrain. Et bien lui, posé, tranquille, il vise le poteau. Et ce ballon vient mourir en touche. Attention, là maintenant, grosse concentration pour Sébastien Bruno. Le genre des touches, il faut bien négocier. C'est tout qui tient. Ouais, pression maximale là sur ce lancer. Voilà, sûr avec Chesney encore une fois. Après un mouvement dans la touche, on revient vers le début d'alignement. Pas de prise de risque pour les Toulonnais dans ce secteur-là. Ça fonctionne, ils n'ont pas de raison de changer d'option. Et alors là, ils travaillent un ballon porté pour essayer de fixer un petit peu cette défense catalane et libérer un peu d'espace pour Johnny Wilkinson. Il est dans l'embut, l'ouvreur toulonnais. Et il y a une faute. Il a voulu emballer Pierre Mignoni. Oula, explication
Oh, carton jaune. Roland, carton jaune, dit Raphaël. Carton jaune, oui, oui. Pour Guillaume Vilaseca. Alors, on va peut-être revoir ça au ralenti. C'est peut-être un coup d'épaule dans ce regroupement. C'est forcément un geste illicite. Sur Pierre Mignoni, regardez le numéro 4. Vilaseca, oh oui. Ouais, c'est un déblayage un peu trop appuyé. Avec la tête, il est venu percuter Pierre Mignoni qui allait dégager le ballon. Oui, mais c'est un coup dur. Jacques Brunel est pas content là. Ouais, parce que les... dans la mâchoire là pour Andrew Mélé. Après, c'est moins évident pour annoncer, hein, pour faire les commandes auprès de ses coéquipiers. Mais là, c'est vrai que c'est un coup dur, hein, parce que Pianet qui a du mal à rentrer dans ce match. Et Johnny Wilkinson qui a trouvé une touche à hauteur de la ligne médiane. Les Toulonnais vont jouer à 15 contre 14. Pendant 10 minutes, ils mènent déjà 3-0. Et un nouveau lancé à suivre pour Sébastien Bruno. Pour l'instant, la conquête est irréprochable du côté de Toulon. On alterne avec un lancé en fond d'alignement. Un ballon qui a failli récupérer Guillaume Guirado, mais il a commis un en avant. Il était à l'affût, le talonneur catalan. Malheureusement, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Et derrière, cet en avant n'a pas profité au Toulonnais non plus. Homme en forme. On sent une tension dans ce début de rencontre. Guillaume Guirado, l'homme en forme du pack catalan. Il a inscrit 3 essais lors des 2 derniers matchs de championnat face à La Rochelle et au Stade Toulousain. C'est un gros challenge pour lui, hein, parce qu'il a face à lui un joueur expérimenté, international lui aussi, Sébastien Bruno. Et s'il veut marquer des points pour la Coupe du Monde, c'est ce genre de match qui peut être le déclic. Ouais, tout comme Jérôme Schuster, hein, le pilier gauche de cette équipe, le cousin Nicolas Mas, parce que vous le savez, on est triste. D'ailleurs, on le salue, Thomas Domingo s'est gravement blessé. Il est probablement forfait pour la Coupe du Monde. À ce poste, il y avait déjà Fabien Barcella qui était sur le carreau. Du coup, il y a une place à jouer pour Jérôme Schuster. Exactement, un ballon perdu là. Donc une action confuse et toulonnais. Une bonne pression défensive. Dans les 22, ils s'en sortent, les Toulonnais, avec Johnny Wilkinson qui va pouvoir amorcer peut-être une contre-attaque. Ils sont à la relance, Van Niekerk. Bien pris par Chouli. Ballon bien libéré. Pierre Mignoni pour Wilkinson. Il ne pourra pas trouver la touche directement, mais il a joué rasant. Regardez l'expérience. Parfait. Ça, c'est parfait. Regardez. Ça, c'est le rôle. Ah, c'est parfait le chef d'orchestre. Du numéro 10. Voilà, le chef d'orchestre. L'équipe est un peu sous pression. Et voyez ce ballon chassé par Candelon. Il y avait peut-être touche. Hein. Ouais, il avait mis le pied en touche. Et puis derrière, là, le jeu au pied, la maîtrise de Wilkinson pour inverser la pression. Woody Wolf, je crois qu'il avait le talon sur la ligne de touche. Allez, en attendant, c'est un lancé pour Guillaume Guirado. Touche réduite. Ouais, bonne déviation de Chouli pour Cazenave avec la rade maintenant au large avec Marty. Ouais, la passe sautée pour planter. Il y a de la tension dans les rangs catalans. Ouais, beaucoup de fébrilité de part et d'autre. Là, en l'occurrence, c'est un lancement de jeu intéressant avec notamment Henri Tuliagi, le troisième centre ultra puissant de Perpignan, qui était venu s'intercaler dans la ligne d'attaque. Qui a servi en fait de l'heure et qui n'a pas été servi, mais derrière, grosse maladresse. Alors une donnée importante, Raphaël, parce que ce sont les joueurs toulonnais qui nous en parlaient d'ailleurs avant le match. Ce terrain de Montjuïc est très large. Il fait quasiment 10 mètres de plus en largeur que le stade de Mayol. Okay. Ça peut aussi avoir un intérêt dans les lancements de jeu, hein, sur les extérieurs. C'est vrai, au point de vue tactique, ça peut avoir son incidence au cours du match. Tout à fait. Mais là, en attendant, on joue dans le petit périmètre. On joue à l'extérieur, là. On joue avec les gros avant de libérer Pierre Mignoni avec Loamanou. Lovo Balavou est à hauteur, il y a un en avant, mais avantage laissé par monsieur Roland. Ils sont sous pression quand même, les Catalans, dans ce début de match. À l'image de Nicolas Laharrague, on va revenir à l'en avant. Quelques lancements de jeu qui sont plutôt bien exécutés, tout du moins au début. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a cette fébrilité. On manque un peu de patience peut-être lorsque l'une équipe. C'est un sans-faire dans la défense adverse. Un peu de patience dans la dernière passe. La 3. Un petit peu de dégâts. Et il y a aussi un autre paramètre important cet après-midi, Raphaël. La chaleur. Ce sont les premières grosses chaleurs. On est un petit peu en avance sur la saison, mais il fait près de 29 degrés cet après-midi. Et on le voit, hein, les joueurs ont déjà su beaucoup. Il va falloir s'hydrater.
Allez, on est prêt pour jouer cette mêlée maintenant. Ça aura sans doute son incidence à l'heure de jeu. Le travail physique a été entrepris par les deux clubs va être mis à jour par les disputés en fin de match. Ils sont 7 contre 8 les Catalans pour disputer cette mêlée. Ouais, Damien Chouli qui a vite extrait ce ballon pour gagner quelques mètres sur la ligne des 22 maintenant. Cazenave qui va probablement prendre le jeu au pied à son compte. Oh, il a failli être centré là par Pierre Mignoni. Ballon récupéré par les Toulonnais avec Rory Lamante à la relance. Et Kinson hésite parce qu'il était d'abord placé dans l'axe du groupement pour jouer au pied lui aussi. Et finalement, il a demandé à ses avants de venir s'intéresser et de venir plein champ à l'image du capitaine. Oui, j'allais dire, celui qui est souvent intéressé par ses ballons, c'est Joe Van Nicker que l'on a retrouvé là. Wilkinson passe tendu pour... Oh oui, il a récupéré ce ballon, Geoffroy Messina, sur ce coup de pied rasant de... Voilà, c'est acrobatique, hein. Ouais, c'est une lutte farouche pour le gain du ballon, récupéré par les Perpignanais avec Cazenave. Et attention, Manu est en train toujours de se faire soigner sur le bord du terrain, messieurs. On va surveiller ça avec attention. En attendant, Rudy Wolf, il laisse ce ballon rebondir. Il a eu tort. Ce sera une touche légèrement dans le camp de Toulon. C'est la cheville droite, a priori, pour Luamanu, international japonais. Touché tout à l'heure sur commencement de jeu propre. Il passe au cordeau de Wilkinson. Sur ce jeu au pied dans le dos de la défense perpignanaise. C'est Messina qui était venu le premier récupérer ce ballon. De manière acrobatique, main droite. Ouais, Geoffroy Messina qui lui a l'expérience des quarts de finale. Il en a disputé deux quand il jouait au Stade français. Bruno avec Van Niekerk. Un petit peu isolé. Il a bien libéré son ballon pour Pierre Mignoni. Enfermé avec Lamante. Lamante qui rafute Cazenave et qui avance. Mignoni, le renversement. Nouveau balle à vous maintenant en 1 contre 1. Il a perdu sa défense. Il a perdu sa hauteur, il faut quelqu'un là. Porical, bonne défense. Et on n'a pas pu gicler à hauteur. Mais c'est pas terminé avec le relais de Luamanu qui s'est remis sur ses appuis. Attention, les Catalans sont en retard. Oula, ils étaient en retard les Catalans au niveau défensif. Heureusement que Chris Chesney est venu au-delà du ballon et commettre une faute. Une faute quand même qui n'était pas indispensable. Qui prive les Toulonnais quand même d'une certaine continuité dans le lancement. En attendant, Raphaël, illustration avec cette action. Le premier quart d'heure est clairement à l'avantage de Toulon. Ouais, ils ont l'initiative. Ils essaient de conserver le ballon. Ils trouvent quelques espaces au sein de la défense catalane. Ils sont bien dans le match, les Toulonnais. Allez, Philippe, allez-y. Jacques, début de partie un peu fébrile de votre part. Vous êtes à 14 et Toulon aussi est fébrile de son côté. Très fébrile effectivement de part et d'autre, mais c'est eux qui ont le ballon. Nous pour le moment on n'a pas réussi encore à impulser un mouvement. On a redonné le ballon au pied rapidement, on l'a perdu au premier contact. Donc voilà, il faut encore tenir 2 minutes le temps qu'on se retrouve à égalité. Merci. Allez, lancé Guillaume Guirado sur Damien Chouli, c'est propre. Les Catalans qui peuvent amorcer un bon ballon porté là, même s'ils sont en infériorité numérique devant. Guillaume Guirado avait proposé son ballon. Il est là. Attention, là, ballon récupéré par les Toulonnais une nouvelle fois. La zone d'affrontement. Et monsieur Roland les pénalise. En l'occurrence, c'est Chesney. Chauffine peut-être. Parce qu'au fil, le centre qui avait gardé le ballon au sol. Et derrière, les soutiens étaient venus le protéger, mais en ayant une action un peu trop agressive au sol. Et les Catalans, quand même, ils ont cette caractéristique. Vous vous rendez compte, depuis le début du match, ils sont pratiquement à 14. Et ils ont quand même cette capacité à rester dans le match. Ils ont une vraie force collective quand même. Ils n'ont pas été épargnés toute la saison par les blessures. Oui. Et Jacques Brunel a dû composer parfois avec un groupe affaibli. Et pourtant, ils sont toujours là. C'est un peu l'illustration. Ces 10 premières minutes sont l'illustration quand même. D'ailleurs, Raphaël, il faut penser aux blessés hein, cet après-midi. Farid Sid, qui s'est gravement blessé au genou face à Toulouse. Il y a Maxime Mermoz qui est blessé. Olivier Olibo, Marius Kinkou, Perez, Le Corvée qui est suspendu. Ça fait du monde. Ça fait du monde et en même temps côté toulonnais ils ne sont pas épargnés non plus. Njack n'est pas là,
Aulua n'est pas là. Ivaldi est blessé. Et puis Karleman n'a pas fait le déplacement parce qu'on lui préfère Kouvriashvili, parce qu'il faut faire un choix, vous le savez, dans les joueurs extra-communautaires, il n'y a que deux places. Et on a favorisé cet après-midi contre Teponi et Fernandez Lube, les Argentins. Est-ce qu'il faut dire aussi que Karleman n'a pas eu l'effet escompté quand même depuis son arrivée au sein du club toulonnais. Gros plaquage, bonne défense là des Catalans. Et les Toulonnais qui conservent quand même ce ballon avec Mignoni pour Wilkinson. Chandelle. Ouais, faut se parler à la réception, attention pour Ical, à dévier pour Chouli, Chouli qui navigue. Mais encore une fois, hauteur, ça tarde un petit peu. Grand Claude maintenant. Et voilà, pénalité. La première opportunité pour Perpignan de tenter. Ah, très belle initiative de Damien Chouli. Il est bien dans le match. Hein. Oui. C'est lui aussi qui a donné le ton dès le coup d'envoi en s'élevant dans les airs et en récupérant ce ballon. Et puis aussi, on l'a vu deux, trois fois percer plein champ. C'est important comme ça dans les moments difficiles d'avoir des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Voilà, un petit travail de 1 contre 1. Ensuite, transformation du jeu sur l'extérieur pour Grand Claude. Ça amène une pénalité pour Perpignan. Et les choses s'arrangent vraiment pour Perpignan, messieurs, puisque Guillaume Vilaseca va pouvoir faire son entrée dans quelques secondes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Catalans. Maintenant, quid de Jérôme Pourical. Est-ce que cette pénalité en fin de match la semaine dernière face à Toulouse, manquée, qui a coûté la défaite, lui trotte encore dans la tête? Non, c'est notre contexte. On le souhaite. Pour les Catalans, il est face au poteau à environ 25 mètres. C'est parti pour Pourical et c'est manqué Raphaël. Et hey, donc vous croyez que ça... Là, je crois. Ça l'a marqué. Je crois que ça l'a marqué Jérôme Pourical. Il va falloir qu'il fasse le vide. En attendant, premier échec pour le buteur catalan. Retour de Vilaseca, les deux équipes à 15 contre 15. Je suis dans l'axe. La pression de l'événement coûte cher, monsieur. Je ne pouvais pas, c'est l'action. C'était l'action, j'avais problème avec. Faites attention. Le travail, les contacts sont rugueux. C'est début de match. Vilaseca qui est venu demander une explication à M. Rolland, qui considérait qu'il était dans l'axe. Alors, il était certes dans l'axe. Mais c'est trop tard en plus. C'était un petit peu violent. Quand même. Ouais, il a purgé ses 10 minutes de suspension. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'aller négocier quoi que ce soit avec l'arbitre. Il se concentrait plutôt sur le match. Et ils sont fébriles sur les ballons en haut, les Catalans, depuis le début de ce match. Encore une fois, la Candelon a été mis sous pression après un ballon mal contrôlé par Chalewachu. Une bonne montée aussi, hein, Dominique Toulonnais, qui est habitué, il faut le dire, avec le jeu au pied toujours précis, toujours à propos de Johnny Wilkinson, habitué à monter comme ça sur ses adversaires au bon endroit. Bruno, milieu d'alignement, bonne déviation, Mignoni, Wilkinson avec Lovo Balavu, c'est fluide côté Toulonnais. Attention à ne pas se mettre à la faute encore. Wilkinson qui revient intérieur. Énorme percussion là. Lâchez le Schofield. Mignoni dans le fermé. George Smith retour intérieur sur Messina. Il a commis un en avant. Allez, il faut le jouer. Ah, ils n'y sont pas pour l'instant les Catalans. Allez, peut-être là la relance de Jérôme Pourical. Cazenave. La rague, coup qui est manqué. Un peu de timidité côté catalan, ouais. On a du mal à s'exprimer, à se lancer complètement dans cette rencontre. Allez, Marty en position de demi d'ouverture pour remettre un petit peu d'ordre dans la maison catalane et trouver une bonne touche sur la ligne des 22 mètres du rugby club toulonnais. Ouais, ça va faire du bien. Parce que pendant ce temps-là, les Toulonnais, voyez, cette remise intérieure à destination de Schofield était parfaite. Wilkinson. Et derrière la puissance du second de ligne. Ouais, parce que pour renverser Chalewachu, il faut le faire. Hein. Ouais, ils ont l'initiative, ils gagnent leur duel pour l'instant les Toulonnais. C'est plutôt heureux pour l'instant que de savoir que les Perpignanais ne sont pas décrochés au score. Non, c'est Sébastien Bruno. Chesney a dévié. Mignoni du gauche. Par-dessus, dans les airs, c'est Chouli qui dévisse ballon. Mais attention, il n'y a personne à la réception. Et il y a la pression toulonnaise avec Loamanou en l'occurrence. Et c'est Pourical qui récupère ce ballon. Avec planté.
puis il a gagné sa puissance. Allez, peut-être. Il va les remettre dans l'axe. Barague au large avec Chouli très disponible, mais il perd le ballon perdu. Il est dangereux aussi. Le ballon sur l'extérieur. Oula. On sent que c'est un match tendu. Alors on le disait, c'est le premier match à élimination directe cette saison et on le voit, beaucoup de fébrilité des deux côtés, et notamment là sur cette percussion de Chouli, c'est surtout le geste défensif de Wilkinson sur le plaquage qui fait exploser le ballon au contact. Laurent Emmanuel ici en gros plan, beaucoup d'expérience aussi, 34 ans de colosse. Et c'est là que son expérience doit être mise à profit à travers ces moments de repos, on va dire, relatifs, de récupération. Les avant-toulonnais qui se regroupent autour de Pierre Mignoni. Ils ont besoin de discuter, il faut trouver les clés. Alors vous le savez, Raphaël Mourad Boudjelal a fait quelques sorties dans la presse assez assassines envers ses joueurs. Ces dernières semaines, il aura notamment reproché d'être exclusivement tourné vers cette Coupe d'Europe. Donc il attend beaucoup de ses joueurs cet après-midi. Parce que c'est vrai que le rendement de Toulon en championnat est un petit peu décevant au regard des dernières performances. En tout cas, c'est ce que pense Mourad Boudjelal, le président, qui attend beaucoup donc, de ce quart de finale. La rate dans le fermé avec Marty, coupé rasant. En couverture, c'est Rory Lamande pour les Toulonnais. Il est poussé en touche par Candelan. Allez, c'est peut-être la première véritable opportunité pour les Catalans. À l'issue de cette touche, on va avoir une idée un peu des volontés, des initiatives plus à piste. David Marty, dont la suspension a été ramenée. C'est la raison pour laquelle il est titulaire aujourd'hui. Il ne manque pas cet événement majeur dans la saison de l'USAP. C'est Guirado et il a lobé son sauteur. Et attention, parce que derrière ça va vite côté toulonnais, encore une faute de main. C'est très brouillon des deux côtés. Ouais. Un manque de coordination sur cette touche qui coûte cher encore une fois aux Catalans. Là, il manque quelques centimètres pour se saisir du ballon. Alors derrière, cadeau pour Van Niekerk qui aime ses ballons. Et puis derrière, voilà, encore une fois, un peu d'impatience. Smith était pratiquement contrôlé par un défenseur Perpignani, était déjà au plaquage. Elle est belle cette image. Les deux lutins, Pierre Mignoni et Julien Candelan. Il y a du respect. C'est beau. Avancez-vous. Crouch. Peut-être les effets d'ailleurs des premières chaleurs. Cette fébrilité en début de match. Il faut s'en accommoder. Bel effort là du pack catalan avec Tulagi qui a repoussé George Smith sur la ligne médiane. Kaznav pour Chaiwachu. Chouchou, comme on le surnomme, il a avancé. Marty avec planté, pas beaucoup d'espace. Allez, les libérations sont un petit peu lentes pour Kaznav. Yeri qui est passé au sol, bonne libération. La Harag maintenant avec Grand Claude. Il y a de l'espace pour Henri Tuilagi. Il a lancé l'autobus là. Il n'y a personne, il tient. Avantage en cours, il y a un en avant toulonnais. Mais il avait complètement le droit de jouer ce ballon. C'était Fernandez Yobé, je crois. Là, il a même fait preuve peut-être d'un peu de précipitation parce qu'il est venu. Il est venu tout à fait illégalement dans l'axe du ruck pour récupérer ce ballon. Mais malheureusement, sa passe au sol n'était pas assurée. Voilà, il vient lutter, ils vont combattre. Il a du mal quand même à conserver ce ballon. Il y a un manque de soutien flagrant là de Perpignan sur cette avancée d'Henri Tuilagi. Mêlée, introduction Cazenave dans le camp toulonnais. 26 minutes de jeu, 3-0 pour l'instant pour Toulon sur une pénalité de Johnny Wilkinson. Explication entre les premières lignes et M. Roland, sans doute. Un petit mot, monsieur, avec Aubin Weber. Aubin, vous avez joué à 15 contre 14 et pourtant, vous aussi, vous êtes fébrile, vous n'arrivez pas à profiter de l'instant. Mais je crois que les deux équipes sont fébriles. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mêlées, il y a beaucoup d'en avant. Donc voilà, c'est l'enjeu, certainement, qui prime sur le jeu. Donc à nous d'être appliqués, il y a des ballons de turnover à faire, donc à nous d'être concentrés là-dessus. Il est remis, Aubin Weber, il était un petit peu malade avant ce match. Ça a l'air d'aller mieux. Attention à Grand Claude.
Oui, ouais, il faut du soutien, Grand Claude qui cherche. Il a levé la tête, il est pris par deux défenseurs toulonnais. Il a patienté intelligemment. Grado. À la corne, il avance sur Van Niekerk. Ah, là, voilà, il y a du combat, là il y a du combat, là il y a deux contre un. Voilà peut-être la réaction des Catalans avec la rade qui a trouvé à hauteur. Adrien Planté qui avance. 5 mètres encore pour les Catalans. Cazenave qui libère pour le capitaine Nicolas Mas. Et ils gagnent leur duel, ils avancent là sur chaque impact. Cazenave dans le fermé, c'est le temps fort catalan avec Marty qui croise avec Porrecal. C'est un petit peu arrêté malheureusement. Ils n'ont pas avancé sur cette action les Catalans, mais ils sont menaçants. Ils vont relever le ballon avec les avants puisque Cazenave les appelle. Girado. Ouais, bienvenue ça. Il faut du monde de soutien. Le déblayage de Chalewachu, Cazenave avec Chouli. Il hésite un peu sur les options de jeu, il va continuer avec les avants. Aura, travail de sap des Catalans, ballon récupéré par George Smith, ce redoutable gratteur qui va donner un petit peu d'air à son équipe. Après ce dégagement de Pierre Mignoni, George Smith, 110 sélections avec les Wallabies. Incroyable. Et voilà, il était là. Le sang-froid, le talent aussi à l'état pur pour venir subtiliser ce ballon. Dans la règle, il est sur ses appuis. Et il n'était pas plaqueur. Et puis il a l'œil aussi pour bien identifier à quel endroit il pourra récupérer le ballon. Vous voyez, Chesney au plaquage. Avec le soutien de Schofield, la seconde ligne. Et puis au moment, en quelque sorte, où le ballon est un peu plus visible, ce sera Smith qui viendra subtiliser ce ballon. Grand Claude, qui est un petit peu à court de compétition, il revient de blessure. D'ailleurs, a priori, il ne fera pas tout le match. Il y a Gavin Hume aussi qui revient de blessure, qui devrait lui succéder en deuxième période. Mais pour l'instant, il est dans le rythme. Jean-Philippe Grand Claude, alors que ici, Chris Chesney, l'ancien joueur des Saracens, il a passé 12 saisons dans le club anglais avant de rejoindre Toulon. Il est en train de se faire soigner. Regardez cette statistique intéressante, on disait beaucoup de fébrilité des deux côtés. Aubin Weber parlait de turnover, égalité parfaite, ballon récupéré à jouer 8 partout. C'est une égalité parfaite, mais ça veut aussi surtout dire qu'on n'est pas dans un match complètement accompli en termes de lancement de jeu, de précision. Maîtrisé, on maîtrise. Ouais. C'est Girado dans le camp de Toulon. Et les Catalans qui se mettent à chanter, ça va un petit peu mieux en tout cas pour Perpignan là depuis 2-3 minutes. Tulagi est passé au sol. Cazenave encore en avant de Jérôme Schuster, intervention de Monsieur Roland, on l'écoute. Yes, okay. I got two threes. Yeah. Tanking off the ball here. Black 3, as they've gone to ground, has struck the opposition player on the ground. Okay, all right, so penalty against Black 3. Anything further? Just penalty against Black 3. The French legend. Okay. Number 3. Traduire tout ça. C'est des soucis. The French legend, oui, mais là, c'est de l'Irlandais, vous voyez. Des soucis pour... Moi, j'ai joué à l'Angleterre. Mais tout simplement, un accrochage entre les deux pieds droits. Comprenez. Celui qui sera sanctionné, c'est Kouvriashvili. Ouais, l'ancien Montpellierin qui a mis sur le banc Carleman après de grosses performances, qui est rappelé à l'ordre là. En parlant de Montpellier, ouais, ça club cher à Fabien Galthié, vous le savez. Ça fait sourire Nicolas Mas. Ils ont perdu les Montpellierains hier en quart de finale de Challenge européen contre le Stade français, 32-28. Le Stade français qui joue gros sur cette compétition. C'est leur seul moyen d'être européen la saison prochaine. Et ils ont frôlé la correctionnelle hier face à Montpellier. Et Jérôme Porrecal, à 10 minutes de la mi-temps, a une nouvelle opportunité de passer des points. Il a manqué une pénalité facile tout à l'heure. A-t-il la capacité mentale à se recentrer sur ce coup de pied? La réponse dans quelques secondes. Elle est en point, elle est plus difficile, mais cette fois-ci, ça passe pour Jérôme Porrecal et Perpignan. Égalise 3 partout après 30 minutes de jeu. Là, vous voyez, il est costaud, hein, il a du caractère. Jérôme Porrecal, s'il parvient à chasser les démons du week-end précédent, cette première minute pénalité ratée, eh bien, c'est tout bonus pour l'USAP. Il avait été précieux l'année du titre, Jérôme Porrecal. On se souvient de son 100% en finale face à Clermont. Et il peut avoir
La victoire au bout du pied cet après-midi, Raphaël, parce que vu comment les choses s'annoncent. Bah oui, 3-3 les gars, il faut se lâcher. Il faut se lâcher. Oula ! Ouais, voilà. Loamanou qui a découpé Adrien Planté. Cazenave. Par-dessus, George Smith, toujours lui. Il est là. Ah, superbe le relais de Smith. Henri Lamont, son arrière, pris par Guillaume Guirado. Mignoni. On passe au large. Fernandez Yobé avec Wilkinson qui navigue, qui retrouve Lovo Balavu intérieur. Et oui, ce sont des avants face à lui et à la course. Il a trouvé des espaces. On enchaîne dans le fermé maintenant avec Chesney. Kouvriashvili sur Nicolas Mas. Il est fidèle à leur principe du jeu. Le jeu avec des avants d'abord sollicités avant de transformer sur l'extérieur avec Wilkinson notamment. Ouais, il a bien redoublé avec George Smith. Un petit peu isolé au sol. Et c'est logiquement que M. Roland pénalise l'ouvreur anglais de Toulon. Il a tardé avant de libérer son ballon. La défense, notamment à travers l'activité de Jean-Philippe Brand-Claude, a été récompensée. Voilà, plaqueur, plaqué. Jean-Philippe Brand-Claude qui fait action pour récupérer ce ballon. Wilkinson un peu isolé. Alors, Jérôme Porical a décidé de tenter cette pénalité. Il est à 55 mètres des perches toulonnaises. Ils sont chauds hein, les Catalans ici, Raphaël. On a Lionel Guémen devant nous là. On a quelques supporters qui nous expliquent ce qui va se passer. Et il réclame un carton jaune pour faute répétée pour les Toulonnais. Ce n'est pas en tout cas la décision de M. Roland. Jérôme Porical, 55 mètres. Il est à 50% de réussite. Le buteur catalan cet après-midi, ça part bien, mais ça va être un petit peu court. Rory Lamande sous ses perches pour Johnny Wilkinson qui va pouvoir dégager le camp toulonnais. Et de quelle manière ? Encore une fois, cette frappe. C'est toujours difficile pour moi de commenter ou d'analyser une frappe du jeu au pied, sincèrement. Mais quand même, ça saute aux yeux la qualité technique de Johnny Wilkinson pour trouver ses touches. Un coup de pied parfaitement vrillé qui ramène quasiment le jeu sur la ligne des 22 mètres de Perpignan. Lancé Guirado. Encore une touche réduite avec Tuyagi dans la ligne de 3 quarts. La bonne prise de balle de Villa Seca au milieu d'alignement. Et ce diable de Fernandez Yobé qui s'est mis au milieu là avec ses bras. Il a voulu arracher ce ballon conservé finalement par les Catalans. Nicolas Mas qui charge. Action qui peut libérer un pilier. Cazenave par-dessus. Fernandez Yobé à la lutte avec Planté. Finalement, Loamanou qui transmet à Mignoni. George Smith. Attention sur l'extérieur. Ouh là 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 là, attention. Ça peut être un deuxième carton jaune, ça, pour les Catalans. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Chalewatchou. L'autre seconde de ligne. Chalewatchou sanctionné. Bakajou, c'est ça ? Ouais, il le sait. C'est pas volontaire, hein, c'est sûr, mais. Monsieur Roland ne peut rien faire d'autre que de mettre ce carton. Trop dangereux. Plaquage trop dangereux. Ça fait rien s'il est fait exprès. Sinon, c'est pas ma faute. C'est dangereux, simplement. Il s'était jeté sur George Smith. Ils ont eu ses gants. Il le prend trop haut. Il l'amène pas au sol quand même. Hein. C'est vrai qu'il le prenait c'est le geste. Dans le geste. Ouais, le geste est sanctionné. Ici, Fernandez Yobé, lui, il aime bien être au cœur des recommandes. Ça lui plaît, ça, se frotter avec les gros. Ah, le capitaine Nicolas Mas va devoir réprimander aussi un petit peu ses partenaires à la mi-temps, demander un petit peu plus de discipline, probablement. Et Johnny Wilkinson, il est dans le rond central, hein, vraiment pile poil dans l'axe des poteaux. Regardez, à 50 mètres, il a tout à l'heure, à cette distance, inscrit les premiers points du match. Dans sa position traditionnelle, il va viser l'horloge là. Hein, l'horloge de Montréal. Regardez ça, le métronome, vous parliez d'horloge, c'est réglé comme du papier à musique. Johnny Wilkinson passe 3 nouveaux points et Toulon reprend l'avantage. 6-3, Perpignan à nouveau à 14. Il s'en veut, Chalewatchou, il a raison parce que ça pénalise quand même sacrément son équipe qui, véritablement, depuis le début de la rencontre, un peu fébrile
parvient pas à s'installer dans ce match. Renvoi de la Harag, attention, il faut qu'il fasse 10 mètres, ce renvoi c'était juste. 10. Et en avant, Toulonnais à la réception de ce renvoi. Il me semble que ce renvoi était peut-être un peu court. Les Perpignanais ne s'étaient pas forcément engagés à la réception du ballon. Le Toulonnais, ça aurait pu profiter au Toulonnais, mais malheureusement c'est Chesney je crois qui a fait un en avant. Il est vraiment limite ce coup d'envoi. Ce coup de renvoi est derrière à l'avant des Toulonnais. 3 minutes 30 encore dans cette première mi-temps. Pour l'instant avantage Toulon grâce à la botte de Johnny Wilkinson, 6-3. Perpignan est en infériorité numérique pour la deuxième fois. Et joue au large avec Marty. Passe un petit peu approximatif, contrôle du pied de planté, poussé en touche. Il tente, hein, le Perpignanais, sur les moindres ballons dont il dispose, il cherche l'extérieur. Sans toutefois parvenir à déplacer, à disperser cette défense toulonnaise qui veille. Les passes aussi sont peut-être mal assurées, pas assez précises actuellement. Jacques Brunel ne reconnaît pas son équipe. Il n'est pas le seul. Non, c'est Bruno. De Val Schofield pour les Toulonnais. Fort de Bruno, tout en flexion, il est en possession du ballon. Gros travail des avants. Bonne, très très bonne défense dans le Fulagi. Et là, je vais vous dire, c'est vraiment. Là, c'est quand même la pénalité. Pierre Mignoni, il est responsable quand même de l'avancée de ses avants. Et dans la prise de décision, il faut essayer d'être juste quand on est dans cette position de mêlée. Il a sans doute demandé à Sébastien Bruno de se désolidariser de son paquet d'avant, de repartir sur l'extérieur. Sauf que tous les avants toulonnais étaient concentrés sur le môle. Et Sébastien Bruno s'est retrouvé seul face à la défense catalane. Ça sent le vécu, ça. Hein. Non, mais c'est vraiment dans la communication entre les avants et le demi-mêlée, c'est essentiel pour assurer ces conquêtes. En tout cas, c'est l'opportunité pour Jérôme Porricale de remettre les deux équipes à égalité sous le regard de Paul Gauze, le président de l'USAP, qui a beaucoup œuvré avec Sandro Rossell, le président de Barcelone Football Club, pour organiser ce match ici à Montjuïc. Ça passe pour Jérôme Porricale, 39 minutes de jeu, 6 partout, le chassé croisé continue ici à Barcelone. Allez, on va suivre pour Johnny Wilkinson et les Toulonnais. Et quand même, la moitié du temps de ce premier acte à 14 contre 15 pour les Catalans. On parlait de fraîcheur aussi, étant donné les conditions climatiques cet après-midi. On espère pour les Catalans que ça ne va avoir des conséquences sur la fin. Il n'y aura pas trop de conséquences pour encore Chouli à la réception. Hein. Ouais, il fait un gros match. Propre, très appliqué. Et Gaznav qui prend son temps. Essaye de manger un petit peu l'horloge. Oula, il est contré. Il est contré. Essai de George Smith, une nouvelle fois au bon endroit, au bon moment, l'international australien qui inscrit un essai terrible juste avant la mi-temps. Incroyable Smith, plein d'opportunisme. Voilà, il monte, il vient chercher, il vient mettre la pression, il vient chasser Nicolas Laharag. C'est un peu court Laharag sur ce dégagement. Il ne voit pas arriver Smith qui vient contrer derrière à la course. Le contrôle, il s'applique pour bien contrôler ce ballon, bien l'aplatir. Voilà, ça c'est le talent quand même du troisième ligne australien. Toujours là quand il faut. Sous le regard de Mourad Boudjelal, le président toulonnais, Johnny Wilkinson va tenter de transformer cet essai juste avant la pause qui va faire mal aux Catalans, mais en même temps, ils ont été globalement dominés dans cette première mi-temps, indisciplinés, et ils le payent cher dans cette fin de première période. Trop fébrile les Catalans. Et s'ils veulent inverser la tendance, il va falloir maintenant qu'ils soient beaucoup plus ambitieux en seconde mi-temps. Johnny Wilkinson, 100% cet après-midi, il est en point cette fois-ci.
est parti pour l'ouvreur toulonnais. Ça va passer à côté. Mais c'est Toulon qui fait la bonne affaire juste avant la mi-temps avec cet essai de George Smith. Oui, Paul Gauze un petit peu abattu. Philippe Saint-André, lui, il n'éclate pas de joie. Et pourtant, son équipe mène ici à Montjuïc. 11 à 6, 5 points d'avance. On va prendre notre respiration, on va faire un petit détour par la régie pub à Paris et on se retrouve très rapidement pour la suite de ce quart de finale entre l'USAP et Toulon. A tout de suite. C'est l'heure H ici au stade olympique de Montjuïc à Barcelone. C'est plutôt l'heure de la mi-temps, Raphaël Ibanez. Et pour l'instant, c'est Toulon qui mène ici face à Perpignan, 11 à 6. Raphaël, grâce notamment à un essai à la toute fin de cette première mi-temps, un essai de renard hein, de George Smith qui est allé contrer un dégagement catalan. Ça fait mal pour Perpignan d'encaisser cet essai en toute fin de première mi-temps. Ouais, c'est un essai qui n'est certes pas vraiment spectaculaire, mais qui vient surtout récompenser la constance et l'opportunisme des Toulonnais dans cette première mi-temps. George Smith que l'on a vu au four et au moulin dans cette première mi-temps, qui va faire plaisir à Mourad Boudjelal avec cet essai. Toulon qui a profité de rares occasions et pourtant les Catalans ont reçu deux cartons jaunes dans cette première mi-temps. C'est énorme, ça veut dire qu'ils ont joué 20 minutes à 14 contre 15. Est-ce que selon vous les Toulonnais ont pas su assez profiter aussi de cette infériorité numérique? C'est vrai qu'à l'issue de cette première mi-temps, ils pourraient peut-être regretter de ne pas avoir été mieux récompensés par des points au tableau d'affichage. Mais c'est vrai que les Perpignanais, c'est assez surprenant. La charge, je vais vous dire, la charge émotionnelle pour ce match, elle est vraiment trop forte pour les Perpignanais. Ils n'arrivent pas à se libérer, ils n'arrivent pas à exprimer toutes leurs initiatives, toute leur volonté à travers cette première mi-temps. Il faudra qu'ils se montrent plus ambitieux et plus disciplinés surtout au début de ce second mi-temps. Ouais, et on a vu beaucoup de fébrilité, mais pas seulement dans le camp catalan. On a vu aussi que dans le camp de Toulon, on avait du mal à déployer de belles actions de jeu. Les Toulonnais qui vont faire leur retour sur la pelouse, emmenés toujours par le capitaine Joe Van Niekerk. Les Toulonnais qui ont dans leur rang, on l'a dit, beaucoup d'expérience avec Johnny Wilkinson, George Smith que l'on a vu beaucoup, Fernandez Llobé qui a l'habitude de jouer des grands matchs de Coupe d'Europe. Il en avait joué avec Seille déjà sous les ordres de Philippe Saint-André. Et pour l'instant, eh bien, cette équipe est un petit peu mieux partie, on va dire, que les Elle est bien placée. Elle est bien placée, c'est vrai. Vous l'avez dit, Mathieu, avec des joueurs d'expérience. C'est pas vraiment surprenant. Hein. Les grands joueurs sont là dans les grands matchs aussi. Et le talent de Perpignan, ça va être aujourd'hui de renverser la tendance avec leur force collective qu'on leur connaît. Aujourd'hui, même pour l'instant, elle est un peu absente, elle est un peu affaiblie par un manque de maîtrise, par peut-être cette charge émotionnelle qui est trop forte et qui pèse trop sur les épaules du pilier Nicolas Mas, capitaine de l'USAP. Allez, on va faire un tour avec Philippe aux côtés de Jacques Brunel. Jacques, dites-moi ce que vous avez dit dans les vestiaires. Oh, pas tous les secrets, mais je suppose que vous avez dû remettre un peu les pendules à l'heure. Il y a beaucoup à faire. Et on n'a pas fait une bonne mi-temps, c'est clair. Et on a été fébrile, on a perdu beaucoup de ballons, on a rendu les ballons au pied, on se fait contre à la fin. Donc voilà, on a 40 minutes pour essayer de retrouver un petit peu de calme et essayer de mettre en place quelque chose de cohérent. Pour le moment, on a 5 minutes encore où il faut jouer à 14 et là, il ne faut surtout pas prendre de points. C'est quoi, c'est le poids de l'événement? Je ne sais pas, on est fébrile, c'est clair. Merci. Allez, l'envoi a été effectué par la RAG et récupéré tout de suite par Chesney pour les Toulonnais. Pierre Mignoni, jeu au pied haut, Coricale à la réception, bon déblayage dans les Cuidadou, les Catalans essayent de conserver ce ballon de manière sereine. Cazenave qui va libérer pour l'Arag. Fernandez Llobé dans le troisième rideau, toujours bien placé pour son arrière, Henri Lamante. Très bonne couverture du troisième ligne, Fernandez Llobé qui traverse tout le terrain pour venir mettre la pression sur les Catalans. Allez, et il est au placage. Peut-être les cannes de Julien Candelon pour donner un petit peu d'oxygène aux Catalans et des idées aussi dans le jeu avec la charge d'Henri Tulagi. Cazenave, même sens avec Lara qui croise avec David Marty. Cazenave à nouveau. Ah, la faute. Faute idiote, j'ai envie de dire. Le second denier toulonnais qui vient mettre le pied dans ce groupement pour gêner la libération du ballon. C'est ce profil qui a été pris par la patrouille, alors qu'on voit ici Chale Wachou qui a encore 4 minutes à purger. Regardez, il est sur le côté,
Ah, il est pratiquement sur le côté du roucoulement. Merci. C'est une action qui n'est pas recommandable, sanctionnée par, par M. Roland. Et on voit les Catalans quand même qui, malgré leur infériorité numérique, s'emploient maintenant un peu plus à porter le ballon et surtout à mieux le conserver. Allez, Jérôme Corical. Tentative de pénalité face au poteau toulonnais à 45 mètres exactement. Il a monté deux coups de pied en première période. C'est parti pour le buteur catalan avec un petit effet qui va bien et qui reste entre les perches. Jérôme Porrical ajoute 3 points. L'USAP 9, Toulon 11. Je pense que dans le scénario espéré par Jacques Brunel, à savoir ne pas prendre de points, mais ça c'est une pénalité qui va faire du bien aux Catalans pour les remettre un peu dans la partie. Johnny Wilkinson au renvoi. En tout cas, c'est une affiche très indécise, on s'y attendait. On voit long. Et nouvelle fois, c'est Damien Chouli qui récupère ce ballon pour les Catalans. Non. Ball is outside, ball is outside. Attention, le ballon est sorti. Il faut le jouer. Oui, il a renversé Pierre Mignoni sur cette percussion. Tu l'as dit, l'avance. Cazenave, oui, mais il doit jouer ce ballon sous peine d'être pris. Bien vu de la part de Sébastien Bruno. Allez, grand Claude. Quelques mètres précieux, la Cazenave dans l'avancée pour Lahara qui feinte un coup de pied, c'est bien fait, c'est bien fait à hauteur, il a du monde. Oh, bien joué, le retour pour Julien Candelon sur les appuis, il accélère, retour intérieur s'il y a quelqu'un à hauteur et encore une faute de main après ce magnifique numéro de Julien Candelon. Ah, très belle surtout initiative de Nicolas Lahara qui est venu prendre ce ballon lancé. Extérieur, franchement, c'était très compliqué. Il y avait une infériorité numérique côté catalan. En fin de passe, passe intérieure, petit jeu comme ça à 3. Et Candelon qui fait parler les cales sur l'extérieur. Malheureusement, sur la finition, hein, Grand Claude arrive lancé. Il a vu George Smith face à lui. Il a joué le ballon avant de l'avoir. Regardez. Oui, peut-être que la passe aussi de Julien Candelon est un peu appuyée. Il faut toujours la lucidité nécessaire. Oui, ils sont un peu au même niveau, les deux. La profondeur. Grand Claude qui est venu nous soutenir. En tout cas, on joue à 15, messieurs. Ouais, en tout cas, bonne entame de deuxième mi-temps des Catalans qui vont récupérer un bras cassé sur cette mêlée. Cazenave qui le joue avec Irado. Stoppé net par Van Niekerk. Cazenave. Voilà la réaction catalane attendue. Ah, pour Marti qui navigue. Oh, il y a du décalage, il y a un 2 contre 1. Porrical, il a été pris. Ballon conservé par les Catalans à 5 mètres de la ligne de Toulon. Très bonne défense de Messina. Schuster. Lancé par Cazenavora. Cazenave à nouveau pour Lahrag. Oh, le coup de pied dans la diagonale. On vous a parlé de la largeur de ce terrain. Ah, il a... Et pourquoi il ne le prend pas? Il a préféré assurer le rebond, mais... Oh, Bertrand Guiry, il aurait pu... Dommage, dommage. Ça symbolise quand même le... peut-être la fébrilité. Cette idée comme ça que l'on... On veut attendre le bon rebond au lieu de rentrer dans le match, de prendre ce match à bras le corps. C'est une sacrée opportunité là de rater côté Perpignanais. En tout cas, ils ont clairement passé la deuxième, les Catalans. Lancé Sébastien Bruno à 5 mètres de la ligne de Toulon. Et un contre catalan, mais un ballon qui revient à chaque fois dans les mains de George Smith. Poussez-vous! Trouver la gauche. Longue passe de Candelon pour Guiri. Au milieu de 2-3 joueurs, il a essayé de passer les bras, il est pris. Mais techniquement, ce qu'il a fait, c'était remarquable. Il travaille des appuis pour aller dans les espaces libres. Ouais, comme ici aussi, Tulagi, la passe au contact, c'est bien fait avec Cazenave qui fait les bordures maintenant. Ils sont mieux, les Perpignanais, incontestablement. Ils sont mieux parce que ça va plus vite. Il y a plus de dynamisme aussi dans la libération de balles. Ils enchaînent. Avec ces ballons relevés, avec les avants qui viennent et qui sont disponibles, ça va être le cas encore. Voilà, prise de l'axe. Avec Nicolas Mas, le capitaine. Bien pris par Koubriachvili. Et dans l'axe, le drop peut-être
de Nicolas Larrague. Il s'était bien positionné, c'est parti, mais c'est à droite. Placement Nicolas Larrague, compréhension entre le, son demi-mêlée qui veut en fait mettre du rythme, qui veut jouer parce qu'il sent que les avants sont en train de bien revenir dans ce match. Attention, est-ce que la malédiction des piliers gauche en France va continuer? Je vois Jérôme Schuster toucher la cheville. Non, ça va, on en a assez. Mais oui, mais... tout le monde approche et il en faut des piliers pour y aller là-bas. Je suis d'accord, mais là je suis un petit peu l'évolution de Schuster qui reste au sol en tout cas. Le renvoi est effectué par Johnny Wilkinson, Damien Chouli, Arrigo Pérez Bon. Arcela, Domingo. Allez, Cazenave, il croise avec Marty, Prit, Messina pour Mignoni qui a trouvé Wilkinson. Loa Manu qui passe les bras pour Lovo Balavu à la limite de l'en avant. On ne touche pas trouvé pour Ekal qui essaie de se donner un petit peu d'angle pour dégager son camp. Il y a de la casse un petit peu partout. Hein. Attention à ce ballon dans les bras de Lamante. Bon, ça, c'est pas un bon choix. David Marty dans ses 22 mètres pour Ekal tranquillement. On va ramener le jeu à hauteur de la ligne médiane et je crains que ce soit la fin pour Jérôme Schuster. En tout cas, Perif Prechvater est prêt à faire son entrée sur le terrain avec son numéro 17. Donc je pense qu'effectivement, Schuster a fini son match. Ouais, et puis du côté de Toulon, Jean-Philippe Genevoix va remplacer Sébastien Brunon au talonnage. Oui, Jean-Philippe Genevoix préféré au jeune Orioli pour être sur la feuille cet après-midi. Et vous voyez ici avec son numéro 17, Perif Prechvater, deux fois champion d'Europe avec Leicester en 2001 et en 2002. 57e match de Coupe d'Europe pour lui. Cet après-midi, il remplace Schuster. Joueur très expérimenté. Qui a affronté un bon nombre de piliers européens. Donc, et qui arrive frais, surtout, dans une rencontre tendue, hachée. Oui, Philippe, évidemment, hein, vous irez prendre des nouvelles de Schuster parce que on espère que ce ne sera pas trop grave. Là, il a une grosse élasto sur la cheville. Smith avec Mignoni pour Wolf. Toulonnais, on voit que c'est travaillé hein, avec les relais des avants dans un premier temps. Schofield qui libère pour Mignoni, le renversement sur Wilkinson, il a levé la tête, le coup de pied est une nouvelle fois bien dosé, c'est une touche dans le camp de Perpignan. Et c'est ça qui est assez frustrant avec Wilkinson parce que c'est pas forcément le meilleur choix, il a arrêté la dynamique de son équipe, son coup de pied n'est pas forcément assuré, mais il y a quand même le rebond qui permet d'arriver à gagner les mètres, voilà, touche dans le camp de Perpignan. Couloir, s'il vous plaît. Sébastien Brunon est sorti sur blessure aussi, hein. A priori, bonne déviation de Chouli. Cazenave pour Larrague. Joue au pied très long. Oh oui, il a un petit vent dans le dos qui lui est favorable à Larrague. Il l'exploite parfaitement avec cette touche trouvée à 5 mètres de la ligne de Toulon. Surtout le coup d'œil pour envoyer ce ballon au-dessus de la tête de Rory Lamonde, je crois, qui pourtant depuis le début de la rencontre assure quand même une bonne couverture, qui s'organise bien dans son troisième rideau au niveau défensif. Là, il a été pris à défaut. Non, c'est vrai. Prenez là, c'est bon, attention, merci. Parce que c'est le premier lancé pour Jean-Philippe Genevoix. À 5 mètres de sa ligne, il n'est pas dans une position facile. Ah, c'est bien assuré. Sur Chris Chesney. Il faut noter quand même la très bonne organisation en touche. Ah oui. Au niveau des Toulonnais. Ils ont pourtant deux secondes et demie qui ne sont pas forcément de grands spécialistes du saut. Hein. Chesney, Schofield, bon, pas extrêmement dynamique en l'air, mais ils assurent leur conquête. Pierre Mignoni qui dégage son camp. Rudy Wolf était à la réception. Il n'a pas contrôlé ce ballon. C'est une petite touche. Juste en dehors des 22 de Toulon. Les nouvelles de Jérôme Schuster, monsieur, c'est tordu la cheville droite. Pas d'alarme pour le moment, mais ouais, ça nécessite sa sortie de terrain, évidemment. Et puis Sébastien Brunon, lui, est sorti avant accident, puisque mollet contracté et la peur que ça claque pour lui. Et lancé Guillaume Guirado pour les Catalans, quasiment sur la ligne des 22 de Toulon. Villaseca, il a été gêné dans le saut. M.
Mathieu Roland ne dit rien. Lui, il a vu un en avant. Mignoni pour Wilkinson, du droit. Ils ont du mal. Ils ont du mal, les Toulonnais, en ce début second mi-temps, à sortir de leur camp. La conquête est toujours propre, assurée. La contestation même en l'air. Et... Oh, il y a une petite faute. Une petite faute quand même de Fernandez Lobé. On aurait pu le signaler sur l'arbitre, sur Roland. Allez, rebelote. Lancé cette fois-ci en début d'alignement sur Chalewachu. Même Monsieur Roland l'a annoncé, c'est un maul. Voilà, un ballon porté. Et cuissard envolé pour Terry Freshwater. Qui revient. Ça, c'est pas grave, c'est du matériel ça, il faut avancer, c'est ce qui compte. Et il y met la tête. Ça avance avec Mas. Ah, bien joué, le timing superbe. Ouais, dans le trou, il y a du décalage sur les extérieurs. Ouais, excellent. Marty, ça va aller au bout. Pour Rickel, essai. Essai de Perpignan, l'explosion de joie ici à Montjuïc. Magnifique action, première main, Monsieur Roland. Va faire appel à la vidéo probablement, mais cet essai des confirmations, a été planté par Adrien. Et c'est Adrien planté la vidéo. Quand même appel à la vidéo, même si estimé, pas vraiment de doute, hein, c'est planté qui revient à l'intérieur et qui malgré le plaquage. Il n'y a pas de doute. Pas de doute. Regardez sur ce magnifique ralenti proposé par toutes les équipes là de Fred Godard. Ballon aplati, ouais, incontestable. Sans problème. Incontestable. Voilà le vrai premier mouvement catalan. Yeah. On attend quand même la décision. Hein. Et c'est confirmé par Monsieur Roland, le 7e essai en Coupe d'Europe d'Adrien Planté qui permet à l'USAP pour la première fois de mener dans ce quart de finale. Les voilà totalement relancés dans ce match avec Cédric, un très bon premier travail, très bon travail des avants catalans qui se sont regroupés autour du ballon. Bourmol et puis le timing. À ce moment-là, Nicolas Masque, il n'a pas hésité à s'échapper sur le côté du môle pour servir son demi-mêlée. Derrière, ça a enchaîné avec un mouvement parfaitement exécuté. Jérôme Pourricard maintenant va tenter de transformer cet essai. Pour l'instant, l'USAP mène 14 à 11, 3 points d'avance. Un début de deuxième mi-temps, très très difficile pour les Toulonnais. Sevré de ballon. Parti pour Jérôme Pourricard, ça va flirter avec le poteau. Ouh, la décision. Alors Monsieur Roland va faire appel à l'arbitrage vidéo. Parce que la décision elle est importante. Il a un doute et c'est toujours Raphaël très difficile, même avec les ralentis, vous allez pouvoir le constater, de se faire une idée précise. Parce que ce ballon il est allé au-delà. Ah, je demande à voir comme Monsieur Roland. Alors là, le ballon pour l'instant. On a l'impression qu'il est vraiment sur le poteau, mais regardez, il est au-dessus, donc c'est difficile. Là, franchement, on a vraiment l'impression que le ballon passe dans l'axe, au sommet du poteau. Alors, un autre axe, peut-être, pour se faire une idée. Non, il est à droite. Et là, c'est très net. Merci, Fred Godard. C'est la bonne décision, a priori, de la part des juges de touche. Ils se sentent seuls, les arbitres irlandais. Ah, il la donne. Oh là là. Ben vous voyez, on vous disait que c'est difficile de se faire un avis. Et même avec deux ralentis. En tout cas, une vraie certitude quand même sur cette transformation. Il l'accorde et ça fait 16-11, 5 points d'avance pour l'USAP. Et deux changements du côté de Toulon, messieurs. Paul Saquet remplace Lohamanou. Avec permutation aux ailes, Wulf fait passer de l'autre côté. Et puis Thomas Yopo remplace Emmanueli en première ligne. Et on a vraiment commis sur ce renvoi. 5 points d'avance pour les Catalans. Wilkinson pour Toulon. Pierre Mignoni qui libère. Oh, il est bienvenu, il est bienvenu. Lancé et à hauteur. Oh, les l'action immédiate. Incroyable. Et l'essai du capitaine Giovanni Carr. Ce match qui s'emballe. Oh, quel orage. Oh, quel essai. C'est l'âme de Toulon, ce joueur, Giovanni Kerr, qui vient planter un essai sous les perches. La réaction n'a pas tardé. Toulon est de retour et les deux équipes à égalité, 16 partout. Quelle volonté. Une seule, la première maladresse de Damien Chouli à la réception de ce
coup de renvoi. Et puis derrière, les avants avec Schofield qui vient percuter l'épaule extérieure de Nicolas Mas, un peu assis sur ses appuis. Et puis le relais avec Van Nicker qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du match et qui là vraiment s'illustre de la meilleure des façons en venant remettre son équipe dans le match. Toujours autant de décisions au moment d'aplatir cet essai. Quelle rage, quelle volonté. Voilà le match lancé là. On y est. Deuxième essai de Giovanni Kerk en Coupe d'Europe. Et celui-ci, il est important parce que surtout, il a permis à tout le monde de réagir. Dans l'instant, on dit souvent que les grandes équipes, on les reconnaît à leur capacité à réagir. C'est fait. Et c'est transformé par Wilkinson. Et Toulon n'aura été mené que 30 secondes. Et on reprend le score 18-16. Des grandes équipes avec de grands joueurs aussi. Wilkinson qui fait son match. Van Nicker un peu discret quand même depuis le début de la rencontre. Là on le voit, bam, il est décisif, il marque cet essai. Récupération Chesney. On a eu une première mi-temps où les deux équipes ont balbutié leur rugby. Cette fois-ci, ce quart de finale est parti, est bien parti. Avec deux essais en l'espace d'une minute. Porikal à la réception de ce ballon. Et ça continue demain. Biarritz Toulouse à Saint-Sébastien en direct à partir de 17h20 sur France 2, juste avant Stade 2. Toulousain champion en titre. Comme on dit aussi, hein, là il y a match. Là il y a match. Face au Garo. Et cette fois-ci, ce sera le Pays Basque à la fête à Anoeta. La rague. Par-dessus, coup de pied long. La montre couverture. On est monté rapidement à réimplanter, la mettre la pression, ballon bien libéré. Ah, superbe, avec Wolf. Du jeu de Wolf. Attention à cette contre-attaque de Wolf, il a des cannes. Oh, il va traverser tout le temps là. Et le bon relais de Tomo Epo. Ce ballon qui est récupéré par les Catalans. Nouveau turnover avec Nicolas Mas. Chalet Wachou pour Kaznav avec Perry Freshwater. On est arrêté, on ne sait pas trop où aller. Alors on va dans l'axe. La meilleure initiative, la meilleure option qu'il pouvait prendre pour Freshwater pour trouver l'axe du terrain. Martin qui croise avec Tulagi. Elle passe après contact, magnifique. Oh là, Kaznav, il est contré. Les ballons récupérés une nouvelle fois par les Toulonnais. Tulagi peut tout se permettre. Avec sa puissance, il traverse, soit il garde le ballon, même il dépasse après contact. Il a deux joueurs sur le dos. Ça assure la continuité pour les Perpignanais. Et Chesney qui relève ce ballon pour les Toulonnais. Tomo Epo à la lutte avec Kaznav et Nicolas Mas. Bien Kaznav, voilà, bien aux jambes. La cage. Il faut s'y mettre hein, quand on est demi mêlée avec des costauds comme ouais, ça. Oui, mais il est costaud. Il est... C'est le Pyrénéen. Kaznav, 82-80 kg. C'est un bon gabarit pour un demi mêlée. Quand on le compare à Pierre Mignoni et son 1m69. Ouais, mais il suffit de se méfier quand même. Ouais. S'accroche hein. Mignon. C'était en arrière, a dit Monsieur Roland. Ballon récupéré par les Catalans avec Kaznav justement. Passe un petit peu mal ajusté, mais il est bon sur le retour. Il est bien Porikal. Avec Porikal, Chouli maintenant. Chouli s'il peut passer les bras, il y a un bon coup à jouer. Le ballon récupéré, c'est incroyable le nombre de turnovers dans ce match. La relance maintenant de Sake, découpé par Planté. Et pénalisé les Toulonnais pour avoir conservé ce ballon au sol. Monsieur Roland était super bien placé. Il avait suivi toute l'action. Malgré la confusion, c'est vrai, entre ces ballons perdus, gagnés, regagnés, reperdus, égarés. Et là, il était bien présent pour être le premier donc, à signaler cette faute. En tout cas, après une première mi-temps, on va être honnête, plutôt médiocre en termes de tendu, jeu. Tendu. Là, maintenant, on se lâche un petit peu des deux côtés. Ça nous permet de voir un peu de spectacle. Du beau jeu. Et Jérôme Porikal en position peut-être de redonner l'avantage aux Catalans. On a compté les turnovers, messieurs, dans ce match. Je crois qu'on ne va pas être loin d'un record sur ce genre d'événement. Ah oui, oui. Ce qui illustre hein, la fébrilité, la tension que peut générer un tel match, match éliminatoire. Et le hasard du calendrier qui fera que ces deux équipes se retrouveront en championnat dans 15 jours. Parce qu'on le rappelle, Perpignan, 8e du championnat, Toulon 7e, ils ne sont pas encore sûrs d'être qualifiés pour les phases finales. C'est une fin de saison très chargée pour ces deux clubs. Jérôme Porikal. C'est bien parti. Et non, ça passe pas. Et il faudrait
Time off. Que les poteaux soient un petit peu plus haut, hein, parce qu'à chaque fois les coups de pied de Porrecal passent largement au-dessus. Et l'entrée de Rimas Alvarez Kerelis, c'est ça Philippe. À la place de Villaseca, Pignoum lui prend la place de Jean-Philippe Grandclaude du côté de Perpignan. Et puis il va y avoir aussi du changement du côté de Toulon. Je vois Sanson et Cibrès préparés. Ça va être la sortie de Pierre Mignoni. Ouais. Et, il mérite, et celle de Chris Chesney. Il mérite ses applaudissements Pierre Mignoni, parce que si le score en reste là, et on le reverra sur la scène européenne, sinon c'est sa dernière apparition avec l'entrée ici de Sanson, ancien Clermontois lui aussi. Et le changement entre Hume et Grandclaude s'était annoncé, hein, deux joueurs un petit peu en cours de rythme, en cours de compétition. Ballon récupéré par les Catalans. Voilà, c'est son nombre important de changement va permettre de tester la valeur du groupe côté catalan comme côté toulonnais. Arabe, les remplaçants vont vite devoir se mettre dans le rythme. Chandelle, elle est un petit peu trop longue. Oula, attention, là, ça c'est pénalisable. Hein. Ah oui. Là, il était un peu tôt. Hein. Et il a joué vite, Roy Lamante, il a vu des espaces devant lui, il rafute. Et il avance encore. Oh, il est solide l'Écossais. Dommage qu'il soit passé par le sol. Il avait beaucoup de joueurs en soutien. Nouveau Balavu qui va croiser avec Wolf. Cibret, ancien Biarro. Son premier ballon à négocier. C'est un ballon qui va être relevé avec les avants. Et il les appelle. Légèrement dans le camp du SAP cette action. Nous avons toulonnais là de remettre de la vitesse dans le mouvement. L'atelier est arrivé. Joe Van Niekerk. Hop là, un petit coup Chora avec l'aide de Genevois. Ouais, mais pour l'instant, les sorties de balles sont trop longues, trop lentes. Et donc derrière, on n'a plus beaucoup d'options. Et du coup, c'est un jeu au pied. Il la racle tranquillement dans ses 22, réalise un arrêt de volée. Et il y a un joueur au sol, hein, côté toulonnais. Un petit amour qui me fait penser que voilà, quand on est dans cette position, notamment les avants toulonnais qui veulent prendre des initiatives, ils n'hésitent pas à relever le ballon, mais un, deux temps de jeu face à une défense aussi agressive que les Perpignanais, ça ne suffit pas. Notamment pour jouer dans la défense, prendre l'axe du terrain. C'est Jean-Philippe Genevois qui est au sol, touché sur l'action précédente. 9 La blessure de Genevois, attention. Oui, ouais, elle peut être problématique pour les Toulonnais. Alors que Cazenave cède sa place. À mêlée. Ouais, qui porte bien son nom. Justement à la mêlée. Ouais, Florian Cazenave, un petit peu. Fébrile dans la gestion du jeu catalan aujourd'hui. Il est jeune, hein, il a encore. Il le reconnaît volontiers d'ailleurs, des efforts à faire dans la gestion. C'est un poste exposé, hein, forcément. Gagne en maturité à travers ce type de match. Image très très haut niveau. Grosse influence. Grosse ambiance. Et il faut garder la lucidité surtout à ce poste de demi-mêlée, c'est sûr. Il a été gagné par les Catalans ce ballon. Regardez la Chalewachu. Il extrait David Mellet un premier ballon, et alors là, une faute une nouvelle fois bête de Tomo Epo. Il s'est laissé emporter. Vraiment, il est venu sur le côté, essayer de contester un ballon qui était a priori gagné par la Perpignanais. C'est voilà, faire preuve de patience, c'est ce que tu es en train de dire d'ailleurs à Van Niekerk, à ses coéquipiers. Pas de geste inutile qui viendrait compromettre la bonne dynamique de l'équipe. Allez, maintenant il faut qu'il concrétise. Jérôme Porrecal, il a connu quelques échecs aujourd'hui. Les mots là du capitaine Van Niekerk. C'est ce qu'il demande, hein. Pas de pénalty. Pénalty ou pénalty? Ouais, dans le stade de foot, c'est logique. Hein. Pas de pénalty. Qui a été aussi théâtre du sacre de Marie-José Pérec ici en 92. Oui. Couloir 4 sur 400 mètres. Information confirmée par Cédric Baudou qui fait ses grands débuts dans le quart cet après-midi. Et Jérôme Porrecal, cette fois-ci ça va passer
Et il redonne l'avantage aux Catalans. Un point d'avance, 19-18. C'est au tour des Toulonnais de commettre quelques fautes qui mettent en danger le collectif de cette équipe, qui mettent en danger l'avancée, puisque maintenant les Perpignanais sont passés devant. Il faut faire preuve de sang-froid, maintenant un peu de maîtrise. Regardez les pénalités obtenues. Ouais, c'est un chiffre quand même qui est assez édifiant. Ouais, Toulonnais qui se mettent à la faute. Et un en avant commis par un Perpignanais sur cette action, on l'a vu. Monsieur Roland, là on va entrer dans le money time. Hein. 17 minutes encore à jouer, un point d'avance seulement pour les Catalans. Difficile de se faire une idée sur le club qui va se qualifier pour les demi-finales. Attendez-moi s'il vous plaît. C'est très indécis et dans l'engagement des deux équipes aussi. Maintenant, ce qui va être important, ça va être aussi le sang-froid de Monsieur Roland, de l'arbitre. Comme sur l'action précédente par exemple, un avant de Perpignanais récupéré par un autre joueur Perpignanais. Il aurait pu siffler une pénalité pour les Toulonnais. Le capitaine Giovanni Cap exemplaire qui a relevé ce ballon derrière cette mêlée, si vrai pour Sanson. Il revient créer un point de fixation, essaie d'étirer la défense catalane au maximum avant de libérer. Allez, Guérardon est à l'affût là. Ouh là là, Gavinium, il n'a pas fait le voyage à vide, tout comme Guérardon. Oh, oh, oh. Cette séquence défensive, elle va laisser des traces. Et l'image au ralenti va être, à mon avis, terrible. Ouais, je vais pas dire qu'on l'a vu arriver, mais on sentait vraiment que Wilkinson était venu pour la redoubler. Voilà, bienvenue. Bienvenue à Montjuïc, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Il l'a pas vu arriver, hein. À la régulière. Bah, c'est-à-dire que Gavin Hume, il était au frigo depuis un petit moment, blessé. Et là, il a tout lâché sur ce placage. Et Guillaume Guirado, ouais, électrocuté aussi. Hein, chargé aussi, ouais, sur la percussion. Sur le placage, ouais. Il n'y a plus toutes les lumières dans les pièces là. Bon, pour un talonneur, c'est classique. Hein. C'est Paul Saquet qui vient se coucher, la Guérardo qui vient et bam, qui le percute. Il n'y a pas. Ouais. Il est allé franco, pleine face. Ouais. Vous avez fait un fidéo là, hein, Philippe. Pourtant, à l'école de rugby, on nous a toujours expliqué, vous mettez bien l'épaule, vous décalez la tête sur le côté. Mais voilà, parfois on n'a pas le temps, ouais, c'est ça. Alors, Kissi Poulou est en train de se préparer à rentrer sur le terrain. Bah, sinon on a Raphaël Ibanez, hein, qui est dispo. Et voilà, on peut prêter un joueur aussi, évidemment. Trouvez-moi des crampons. Hein. Ovidio Tonita aussi tient prêt. Ainsi que Geoffroy Michel. Il est solide. Guérardo, un petit, il va un petit récupérer dans la narine. Voilà, Nicolas Massor laisse sa place à Kissi Poulou. Le capitaine catalan est sorti du terrain. Ouais, Nicolas Massor aura encore tenu son rang. Il le disait aussi un petit peu, il le reconnaît un petit peu émoussé. Il joue beaucoup, Nicolas Massor. C'est un élément déterminant en équipe de France et dans ce club de Perpignan. Et il cède sa place pour le dernier quart d'heure. Ils enchaînent beaucoup de matchs, Poulou, le temps international, c'est vrai. On attend toujours qu'ils soient excellents à chaque rendez-vous. Donc c'est un choix judicieux de Jacques Brunel d'amener un peu de fraîcheur dans le secteur de la première ligne. Et Guirado n'a pas tout à fait repris ses esprits, en tout cas son lancer en touche n'était pas droit. C'est une mêlée à suivre pour les Toulonnais. Il chancelle encore un peu, hein, Guilhem. Ouais. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Par expérience, il faut 2-3 minutes. Ouais, et puis une bonne mêlée, ça remet voilà, en place. Voilà, ça remet les Noirs en place. Un gros impact des Toulonnais, même si Cibré n'a pas voulu introduire. Et Paul Saquet ici en gros plan qui vit des moments difficiles avec Toulon. Lui, vraiment, il n'a pas convaincu Mourad Boudjelal qui attend la fin de saison pour savoir s'il va le garder. Il est clairement en danger. Ah oui, clairement en danger si l'on sentit en déclaration du président. Même si en Coupe d'Europe, il a inscrit un essai contre les Ospreys qui a été déterminant pour le parcours toulonnais. Ça a été la seule action. Il est capable, d'être judicieux, d'être décisif sur une action. Hein. Paul Saquet, champion d'Europe en 2007, à vos côtés, à Twickenham. George Smith à la récupération. Rory Lamante, qui a tout le temps d'ajuster un coup de pied. C'est pas très bien tapé, ça, dans les bras de David Mellet. Ah, c'est trop court. Oh, il va tenter le drop. Et il va en manquer, là.
marqué. Ce sera un renvoi à 22 mètres pour les Toulonnais. L'occasion peut-être de faire des changements. Parce que je vois Felipe Cantepomi se préparer, Philippe. Et figurez-vous que ce serait à la place de Geoffroy Messina au centre, donc. Ouais, on avait déjà eu cette option de jeu des Toulonnais lors du match face au Munster à Mayol. Et on avait vu une combinaison intéressante entre Johnny Wilkinson et Cantepomi dans l'alternance. Ils peuvent occuper, on le sait. Hein. Geoffroy Messina qui n'a pas démérité quand même sur ce match. Il a beaucoup donné, notamment en défense. Et c'est vrai que la combinaison Cantepomi-Wilkinson fait rêver. Ouais, c'est un peu la combinaison magique pour le dernier quart d'heure. Voilà, le match winner en tout cas est maintenant sur le terrain. Felipe Cantepomi qui, l'année du titre du Leinster, était blessé pour la finale, mais il avait largement contribué au sacre de la province irlandaise. Oh, Guillem Guerrado, regardez s'il n'a pas retrouvé ses esprits. Il est là pour transmettre ce ballon. Bonne action catalane dans les 22 mètres. David Mélé s'est jeté. Il y aura une pénalité. L'avantage. Ouais, ouais. Bras tendu pour l'instant, monsieur Roland. Gavin Hume, il va tenter le drop. Il sait que la pénalité lui reviendra. C'est bien parti pour Gavin Hume, mais ça ne passe pas. Du coup, hors jeu de position des Toulonnais qui subissent. Ils subissent les impacts. Ils subissent aussi la force de pénétration d'Henri Twilagi qui, chaque fois qu'il porte le ballon, met en danger les adversaires, le dispositif défensif adverse. Ouais, et ça pourrait être un mini break dans ce match ultra serré, Raphaël, parce que ça pourrait donner 4 points d'avance aux Catalans. Et Twilagi qui, cette fois-ci, peut servir dans de bonnes conditions. Guillem Guerrado qui s'arrache, encore une passe dans la défense. Le jeu debout, évidemment, c'est ça fait la différence. C'est sa force, hein, Guillem Guerrado, cette mobilité. Il est très très actif dans le jeu courant, très dynamique. Allez, elle est largement dans les cordes de Jérôme Porrical, cette pénalité, sans problème. Perpignan 22, Toulon 18, 4 points d'avance pour les Catalans. Et regardez Mourad Boudjelal qui est là dans les coursives du stade. Il ne peut pas, suivre ce match au bord du terrain et il suit ça sur les écrans de France 2. C'est émotionnellement qu'il ne peut pas, c'est pas parce qu'il n'a pas accès, qu'il n'est pas capable émotionnellement. Il y a deux changements du côté de Perpignan avec la rentrée de Geoffroy Michel. Et celle d'Ovidiu Tonita à la place de Lara Hag et Henri Tulagi, bien sûr. Ouais, donc du coup, a priori, Gavin Hume devrait prendre l'ouverture pour les Catalans. Et ouais, une grosse faute. Un manque de patience, de maîtrise en tout cas de la part des avants toulonnais qui n'ont pas attendu que Johnny Wilkinson exécute ce coup de pied de renvoi. Ils se sont lancés à l'assaut, mais un peu trop tôt. Et du coup, c'est une mêlée au centre du terrain pour les Catalans. Introduction David Mélé, il est où Sap, qui résonne ici à Montjuïc. 10 minutes à jouer pour l'instant, c'est Perpignan qui est qualifié pour les demi. Mélé chassé par Smith, mais il a quand même pu trouver une très belle touche dans les 22 mètres de Toulon. Il a bien déplacé le jeu là, excellent, malgré la pression de troisième ligne toulonnais. David Mélé n'a pas tremblé, il parvient à occuper le terrain adverse. Il avait été titulaire 4 fois sur 6 en phase de poule, David Mélé. On lui avait préféré Cazenave pour ce quart de finale. Il fait une bonne entrée en jeu. Il donne en tout cas une bonne situation de contre en touche pour les Catalans sur ce lancer de Genevoix. Alors, à touche réduite. Il a bien contrôlé finalement. Cibray par-dessus. Planté à la réception. Il est solide hein, parce qu'il a pris dans le buffet avec Georges Smith et Sanson. Gavin Hume. Chandelle croisée. Elle est longue, elle est croisée. Ouais, la monte. Impeccable dans ses 22. Genevoix refoulé. Oh, ils ont beaucoup de difficultés dans cette deuxième mi-temps. Les Toulonnais, ils n'avancent pas d'un poil. Ouais, c'est un peu confus dans l'organisation offensive. On a vu d'ailleurs Kouméachvili prendre ce ballon à la place de Cantepomi. Le tampon et le bon ballon encore à jouer. Et il a bien coupé les extérieurs, Paul Saquet, heureusement pour les Toulonnais. Cibray par-dessus, c'est pas mal fait. Bon, il la monte. Il va être sous pression, là, à quelques centimètres de sa ligne. Allez, quelqu'un va l'aider, là, à sortir ce ballon. Oui, il faut faire l'effort. Monsieur Roland est vigilant. Et ouais, il va donner une mêlée introduction. Perpignan. Ballon enterré.
ne croit pas, on la monte. Il a mis peut-être un peu de temps avant de livrer ce ballon, mais il a eu raison de temporiser. Sinon, c'était clairement une occasion d'essai pour les Catalans. Voilà, explosé. Ce ballon a explosé des bras du centre toulonnais. Puis derrière, le petit coup de pied judicieux dans le dos. La monte met un peu de temps. Il temporise parce qu'il sait qu'il est seul. Il sait qu'il a besoin du soutien de ses partenaires. Et comme le ballon ne sort pas, il s'en sort pas trop mal. Ouais, parce que ça aurait très bien pu être une pénalité. Donc sa contestation n'était pas vraiment bienvenue. En tout cas, c'est une superbe opportunité pour les Catalans maintenant. Changement d'importance, messieurs, du côté de Toulon, puisque Joël Abde remplace le capitaine toulonnais Joe Van Niekerk. Et c'est Fernandez Lobé qui devient capitaine de la formation toulonnaise. C'est un gros client, Joël Abde, quand même, 31 ans. Première saison à Toulon, deuxième match de Coupe d'Europe. Et il reste 7 minutes, 8 minutes 30 aux Toulonnais. Mais là, ils sont dans une position difficile pour renverser ce match. Mêlé à 5 mètres pour les Perpignanais, ça tourne. Je suis un peu surpris de la sortie de Van Niekerk, le capitaine. Surtout dans ces derniers instants du match. Il est peut-être touché. Hein. Peut-être. Il est exténué. Et... fatigué, mais Joel Abde a quand même le même profil, a priori, que George Smith. Donc, deux joueurs gratteurs, récupérateurs. Non, pas le même éclat que Van Niekerk qui peut être décisif dans les derniers instants du match. Non, mais c'est clairement pas un choix technique. Hein, ça veut dire qu'il a tout donné. En tout cas, il y a un bel effort. Je pense qu'il n'y a plus d'essence là. Oui. Il y a un bel effort en tout cas du pack toulonnais là sur cette mêlée. Et ballon conservé par les Catalans. Guirado qui renverse un joueur là sur son passage. Et le relais dans l'axe, c'est l'essai. L'essai probablement de la qualification de Monsieur Perry. Freshwater pour les Catalans. Ah, les gros ont pris le match en main. Deux relais des avants catalans après une pression de tous les instants sur la ligne toulonnaise. Freshwater qui vient conclure. Et sans cuisson. Gros effort des avants catalans. Ils ont été malmenés aujourd'hui, ils ont été en difficulté, notamment en première mi-temps, où on les reconnaissait pas. Et là ils viennent. Voilà, le symbole. Mais j'arrive pas à lire ce qu'il y a d'écrit. Oh, c'est de l'anglais, laissez tomber. Ah oui ? Ah, je crois, oui. Et ouais. Et alors là, ça paraît très très compromis pour les Toulonnais. Il reste peu de temps. Regardez en défense les Toulonnais. Ils se sont pas réorganisés. La sortie de balle est parfaite, bon timing. Avec Guirado en fer de lance et derrière Freshwater qui vient conclure. On vous disait en première mi-temps, elle était méconnaissable cette équipe de Perpignan. Deuxième meilleure attaque de cette Coupe d'Europe. Elle s'est réveillée en deuxième période et les Toulonnais pour l'instant sont impuissants. Tentative de transformation, Jérôme Porical. Pour l'instant, 9 points d'avance, 27-18. Toulon qui aura quasiment mené tout le match. Et qui est en train de céder cette transformation qui passe. Perpignan 29, Toulon 18, il faut marquer deux essais. Il n'y a pas le choix maintenant pour les Toulonnais. Alors qu'il y a du changement à nouveau du côté de Perpignan avec la sortie de Guilhem Guirado, toujours un petit peu chancelant, et l'entrée de Charles Gély. Et puis Damien Tussac et son numéro 18 remplace David Koubriachvili du côté de Toulon. Ouais, un jeune joueur, Tussac, première apparition dans le groupe pro cette saison, international allemand, qui va disputer les 6 dernières minutes. Est-ce que c'est mission impossible là, Raphaël ? Non, 6 minutes. Tout est faisable encore, tout est possible. Il y a quand même de grands joueurs d'expérience dans l'équipe toulonnaise. Et il faut qu'ils parviennent à remettre la main sur le ballon et surtout lancer des mouvements offensifs un peu plus convaincants. David Mêlé qui occupe bien le jeu là avec ce coup de pied, occupe bien le terrain plutôt. Il ne faut pas perdre de temps, les Toulonnais. Jouer vite ce renvoi, 5 minutes 30 à jouer, 11 points de retard. Ils vont regretter les Toulonnais cette première mi-temps où ils n'ont pas su exploiter la fébrilité des Catalans. Ouais. Ça c'est certain. Et Philippe Saint-André qui disait qu'il avait sorti le gilet pare-balles après les déclarations de Mourad Boudjelal, il va falloir trouver un blindé pour la fin de saison. Hein. Parce que cette défaite, même si c'était le premier quart de finale pour les Toulonnais, fait un petit peu de bruit sur la rade. Derrière, il reste encore à se qualifier pour les phases finales de championnat. Quelle activité, Chalewachu. Seconde ligne de devoir. Il est pour Hume.
un jeu au pied. Et touche trouvée dans les 22 mètres. Combien ? Deux. Alors que Damien Chouli a été élu homme du match par les téléspectateurs de France 2. Belle initiative, hein. C'est blessé. Qui ravit les dirigeants catalans. Ouais, même si Paul Gauze a la joie assez. Vous voyez, ouais, il l'a fait un peu comme ça. Vous voyez, c'est comme ça de droit que je suis content. Ah, en tout cas, même si on est triste pour les Toulonnais qui vont avoir du mal à renverser la situation, c'était la fête du rugby en Catalogne cet après-midi. Les Catalans de l'USAP ont bien répondu présent, notamment en deuxième mi-temps. Wilkinson, allez, peut-être pour une réaction d'orgueil. Des Toulonnais qui se sont bizarrement éteints quand même en deuxième mi-temps. Qui ont connu un gros passage à vide dès le début de la seconde mi-temps. Moins de ballons, moins d'opportunités de marquer. Wolf, il est pris. Hein. C'est vrai, Fort qui libère. La pénalité rapidement jouée. Non, on va revenir parce qu'il n'était pas vraiment à l'endroit de la pénalité. La Cibray pour la jouer rapidement. Wilkinson qui va occuper le terrain. Nicolas Mas stoïque, mais il est en train de vivre un grand moment. Il l'a dit, répété. Il a fallu attendre quasiment toute sa carrière pour venir jouer ici à Barcelone, en Catalogne du Sud. Et Giovanni Kirk qui aura tout donné. Dépité, mais pas assez. Et le sorcier Jacques Brunel pour probablement sa dernière saison à la tête de l'USAP. On l'annonce du côté de Bayonne, peut-être après l'Italie. Il y a plusieurs opportunités. En tout cas, il est très sollicité, hein, ce qui démontre la qualité du bonhomme. Voilà. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il a pu dire à ses joueurs à la mi-temps. Et vous savez, ça ressemble bizarrement au scénario de la finale contre Clermont il y a 2 ans. Pour les Catalans, Johnny Wilkinson qui ne trouve pas la touche, enfin plutôt si, mais directement. Il y a moins de conviction là, dans les ambitions offensives toulonnaises. Ça devient un peu approximatif. De la déception aussi. Et regardez Pierre Mignoni qui le sait, c'est son dernier match en Coupe d'Europe. Alors quelques flashs qui défilent là. Et la Ola ici à Montjuïc. Ah, pour Pierre Mignoni c'est simple, hein, il suffit de garder les bons souvenirs. C'est ça pour le conseil que je lui donnerai. Et probablement les bons souvenirs. Et finalement, probablement que ce match fera partie des bons souvenirs quand il l'aura digéré, parce qu'il aura participé lui aussi à cette magnifique fête du rugby, un match historique Barcelone. À Barcelone. Incroyable à Barcelone. Le lien en tout cas entre les Catalans est établi. C'était le souhait du président de Perpignan, Paul Gauze. Et ce match va contribuer, je pense, à développer aussi le rugby en Catalogne du Sud. Oui, d'ailleurs, il y a quelques joueurs catalans. Il y en a 2 ou 3, je crois, au centre de formation, c'est ça ? Oui, qui sont au centre de formation. Ils essaient de développer un maximum cet axe entre Barcelone et Perpignan. Allez, un bon ballon de récupération, là. George Smith pour Lovo Balavu. Il a saqué par-dessus. Il est trop long, ce coup de pied. Et il y a Porrical tranquillement dans son but. Très bonne couverture. Un troisième rideau. Jérôme Porrical. Et finalement, après avoir effacé sa fébrilité début de match, eh bien, a vraiment rassuré dans cette rencontre. Information, Fabien Galthié, qui nous suit avec attention. J'espère. Nick Mallette n'a pas son contrat reconduit auprès de la Fédération italienne, ce qui veut dire que Jacques Brunel est en position, en pole position, pour lui succéder. La dernière minute et le public debout ici à Montjuïc pour saluer la victoire des Catalans, qui vont retrouver les demi-finales de Coupe d'Europe 8 ans après la dernière en 2003, année où ils avaient échoué en finale face à Toulouse à Dublin. L'USAP est au rendez-vous cette saison en Coupe d'Europe. Sanson pour le dernier ballon des Toulonnais avec Rory Lamante qui va rafuter. Allez, peut-être laisser là le saqué à hauteur. Alors, il est trop loin pour saquer. Le soutien part de trop là. Cibray qui libère pour Conte Pomi qui va attaquer la ligne. Revient intérieur, il était attendu. Cibray, Smith pour Lovo Balavu, poussé en touche. Il ne l'a pas vu le juge de touche, il a mis une pied en touche. C'est la dernière action de ce quart de finale. Une action pour l'honneur pour les Toulonnais. Ah, il veut clairement ne pas rester là.
John Smith, à l'image de John Smith, exemplaire ce joueur sur ce match. Cibret, il va y aller tout seul. Et c'est accordé l'essai qui va nourrir de beaucoup de regrets, semble-t-il, à Toulon. La réaction un petit peu tardive, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps, mais Toulon a été dépassé. Georges Smith, il a tout donné, il a des crampes. Ouais, il a été à la hauteur vraiment du rendez-vous. C'est l'USAP qui termine en vainqueur. Et voilà monsieur Roland qui siffle la fin de ce match, de ce quart de finale. Qualification de Perpignan pour les demi. Henri Tuilagi et ses partenaires ont réussi pour cette grande première en Catalogne. Victoire finale 29-25. Paul Gosse peut-être soulagé. Fallait pas se manquer non plus hein, pour les Catalans cet après-midi. On a vu une première mi-temps moyenne, il faut l'avouer. Et derrière, avec des Toulonnais qui sont quand même venus perturber largement les plans catalans avant finalement de céder sous l'organisation collective de cette équipe perpignanaise qui mérite sa victoire. Allez, on va rejoindre Philippe Lafond qui est en compagnie d'un capitaine heureux, j'imagine. Capitaine heureux, il ne fallait pas se louper aujourd'hui, vous n'êtes pas loupé. C'était pas très très bien parti, Nicolas. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on avait une grosse pression sur nous avec ce match délocalisé à Barcelone. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait. C'est vrai que le début de match a été un peu dur, mais on a réussi à relever la tête et se remettre dans le droit chemin en gagnant ce match. C'était très important pour tout le monde. On a l'impression que c'est vous, les gros, les avants, qui ont repris les clés du camion en deuxième mi-temps. Et tout de suite, c'est allé beaucoup mieux. Oui, c'est sûr que peut-être devant, on a fait un mol, deux ou trois mols qui ont fait du bien. Mais derrière, sur l'essai, ils font de belles choses. Donc, c'est tout un groupe qui a gagné aujourd'hui. Qu'est-ce 10 points au fond du cœur, de cœur de Catalan. Qu'est-ce que ça fait, cette victoire ici à Barcelone, au Stade Montjuïc? Ouais, c'est quelque chose de très beau. Maintenant, c'est vrai que je ne réagis pas trop. Mais peut-être quand je serai plus vieux, je réagirai. Mais voilà, c'est beau ce qu'on a fait. Et voilà, on l'a fait pour tout ce peuple catalan et pour faire connaître le rugby à Barcelone, c'était très important. Quoi. Et entendez-les, ça chante encore dehors. Merci Nicolas. Ouais, on va le laisser aller savourer un petit peu ces moments avec ses partenaires. Et nous, on va vous proposer, regardez le tableau de ces phases finales de Coupe d'Europe avec, vous allez le constater, bien voilà, le premier qualifié, on le connaît, c'est Perpignan. Et maintenant, il va falloir attendre le match entre Northampton et l'Ulster, la province irlandaise qui regoute à ses phases finales depuis 1998. Ce match aura lieu demain, comme Biarritz, Toulouse, en direct sur France 2 à partir de 17h20. Le choc encore franco-français, Toulouse qui remet sa couronne en jeu à Noëta. Ça nous promet un grand spectacle, on y sera. J'espère que vous serez nombreux demain à nous suivre. En attendant la première manche, eh bien, dans ces rencontres franco-françaises, elle est revenue à Perpignan, premier qualifié pour les demi-finales. Merci de nous avoir suivis. Merci à Cédric Baudou dans le quart. Bravo Cédric. Merci. De bons débuts. Et à demain pour Biarritz-Toulouse en direct d'Anoeta. Bonne soirée. À demain.